Ce soir, nous allons discuter d'un être surnaturel, d'un être mythique. La Banshee. La Banshee est un être issu des légendes de la mythologie irlandaise. Plus généralement, on en retrouve des écrits en Irlande, Écosse, ainsi qu'au Pays de Galles, ou même en Bretagne. Terrifiante, cette créature féminine annoncerait par ses hurlements stridents une mort à venir. La Banshee était avant tout décrite comme une femme blafarde, portant une longue robe blanche fantomatique. Sinon, la Banshee peut également apparaître sous deux formes. Celle d'une jolie jeune femme en pleurs, ou celle d'une vieille femme décharnée et échevelée. Et il faut savoir qu'il existe plusieurs versions de la Banshee. Il y a la version laveuse des morts. D'après la tradition orale du XXe siècle, dans le comté de Galway, à l'ouest de l'Irlande, on retrouve la Banshee nettoyer un linge dans un cours d'eau, à l'identique d'autres légendes de lavandière de nuit, comme le présage de mort d'une Bean Knight, par exemple, qui vient du folklore gaélique d'Écosse. Ce folklore moderne est directement relié aux histoires médiévales irlandaises, qui mentionnent que la déesse celte Bad annonçait les morts à la bataille en nettoyant les vêtements ensanglantés des personnes destinées à mourir. Ensuite, nous avons également la version de la pleureuse. Selon la tradition, la Banshee annonce parfois la mort par des pleurs, des gémissements ou des lamentations, ou plus exactement, des mélopées funèbres. Par ce comportement, elle est ainsi dénommée en irlandais Bean Chawint, en écossais Cawintich et en anglais Keening Woman. Donc tout ça pour signifier la femme pleureuse. Ces mélopées funèbres font directement référence à l'ancienne pratique gaélique des pleureuses, des femmes qui improvisaient des lamentations vocales durant les processions funèbres et les enterrements, afin de rendre hommage aux morts et à sa famille. Cette pratique était répandue en Écosse et en Irlande durant le Moyen-Âge, et elle a progressivement disparu suite à l'apparition de l'Église catholique en Irlande. Ces pleureuses, parfois rémunérées, imitaient les aspects de la Banshee légendaire, en portant par exemple leurs cheveux dénoués, une longue robe blanche, les pieds nus, etc. Et enfin, nous avons la version la plus courante, celle de la crieuse, la fameuse femme hurlante. Dans le folklore plus tardif, notamment dans les traditions orales du XXe siècle, la Banshee annonce la mort par un cri ou un hurlement terrifiant. Le cri de la Banshee se distingue des hurlements humains ou même animal, et il se fait toujours entendre durant la nuit. Il est entendu le soir par les personnes encore réveillées, ou bien il réveille les personnes dans leur sommeil. Ce cri annonce la mort de la personne dans la maison, dans la famille, ou bien le présage d'une mort imminente. La Banshee est par définition un être en douleur, qui manifeste sa souffrance par de véritables cris inhumains. Ces cris, appelés Keening en anglais ou Cawin en gaélique, seraient si déchirants qu'ils transperceraient toutes les âmes humaines. Dans les écrits, on dépeint ces cris comme un savant mélange de hurlements poussés par des enfants, des hurlements de loups, ainsi que par des plaintes criées par des femmes en plein accouchement. Et ajoutez à cela le cri de l'oie sauvage, et vous aurez alors une bonne idée de la cacophonie insupportable d'un hurlement de Banshee. Ainsi, comme dit auparavant, la Banshee donc annoncerait la mort de quelqu'un de la famille ou de quelqu'un d'important. Beaucoup d'ailleurs l'assimilent à une figure voisine, celle de la Grande Faucheuse. Ceci dit, à quelques détails près. Après tout, la Banshee n'est qu'une messagère. Elle ne fait qu'annoncer la mort. Elle ne la provoque jamais. Tout comme le Wendigo, la Banshee est devenue plus ou moins populaire et on peut la retrouver dans plusieurs œuvres artistiques. Autant dans la littérature que dans les cinémas, dans les séries, les jeux vidéo ou même dans les jeux de rôle sur papier. Et même encore, dans la musique. Peut-être avez-vous déjà été confronté à la Banshee ? Certes, sans la voir, et peut-être l'avez-vous déjà entendu. Avez-vous déjà entendu cet hurlement de douleur? Si oui, pouvons-nous encore dire que ceci est un mythe? Ou alors est-ce bien une réalité? Je pense que c'est à vous de vouloir y croire, ou non.